Lionel Jospin appelle à construire une société fondée sur le respect et la tolérance à l'occasion de la célébration du 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Le Premier ministre rendait hommage à la petite ville de Champagney. Les nouveaux tarifs de la SNCF depuis ce matin, une politique attractive pour satisfaire une clientèle de plus en plus large. Collision entre deux avions, des anciens appareils de la patrouille de France. Les deux pilotes et les deux passagers sont morts. L'accident a eu lieu près de Rennes. La statue de la Liberté dans la baie de Tokyo, elle a fait le voyage pour inaugurer l'année de la France au Japon qui devrait débuter cette semaine lors de la visite officielle de Jacques Chirac. Et puis cinéma avec la sortie de Paparazzi avec Vincent Lindon et Patrick Timsit, le premier film sur ce métier qui traque les stars, un film loin des clichés. Madame, Monsieur, bonsoir. Ouvrons ce journal avec l'hommage de Lionel Jospin au combat visionnaire de la petite commune de Champagney en Haute-Saône, qui la première demanda l'abolition de l'esclavage, et ce 59 ans avant son décret d'application en 1848. L'occasion pour le Premier ministre de lancer un appel à la vigilance pour une société basée sur le respect mutuel. Philippe Lefay, Yann Jiquel. À Champagny, en Haute-Saône, il y a 3331 habitants, mais ils étaient beaucoup plus aujourd'hui. Certains étaient venus de très loin, de Guyane ou des Antilles, pour signifier qu'ici, des choses très tôt ont été dites contre les négriers et le commerce du bois d'ébène. On est fiers de nos ancêtres, déjà d'avoir trouvé une chose comme ça, pour des gens qui n'avaient jamais vu un noir de leur vie, et qui ont voté pour l'émancipation des noirs. Et c'est à ses ancêtres que Lionel Jospin est venu rendre un hommage. Ces aristocrates éclairés de Champagny ont été les premiers, en 1789, à supplier Louis XVI de mettre fin à l'esclavage. Le Premier ministre en tire cette leçon. La commémoration du 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage doit aussi constituer l'occasion de proclamer notre volonté et notre capacité à vivre ensemble et à construire un modèle de société fondée sur le respect d'autrui et la tolérance. Pourtant, à l'écoute de Lionel Jospin, un morceau de la France, aujourd'hui éclaté dans ses certitudes, ses affirmations ou ses ambiguïtés. On est très content d'habiter Belfort et non Vitrolles. Si on voit la ligne, ça résume tout. La France a eu, a reçu les gens du monde entier, le monde entier, parce que c'est une terre d'accueil. Mais il est peut-être vrai qu'à ce jour, nous avons des limites à ne pas dépasser. Il pense comme moi. Je dis que... C'est-à-dire que lui dit terre d'accueil et vous, vous dites poubelle. J'ai dit poubelle parce que la poubelle, la France, c'est la poubelle de l'Europe, oui. Même du monde. Ce soir à Champagny, c'est fête pour les habitants. La fête d'une culture française et métisse. Mais derrière la qualité de l'événement, il y a une dette, certains disent un crime contre l'humanité, dont ces commémorations ont peut-être du mal à donner la mesure. En début d'après-midi, collision mortelle entre deux avions, des Fougas Magister, ces anciens appareils de la patrouille de France rachetés il y a quelques années par des passionnés. Ces avions ont participé à des meetings aériens ou à des vols pour amateurs de sensations fortes. Aujourd'hui, près de Rennes, les deux pilotes et les deux passagers sont morts dans l'accident. Une enquête a été ouverte. Jacques Deveau, Michel Hivert. C'est à une trentaine de kilomètres au nord de Rennes que les deux avions se sont écrasés. Les débris s'étendent sur 900 mètres. L'accident s'est produit vers 13h15. Les deux Fougas Magister venaient de décoller de Rennes, une demi-heure auparavant. Les circonstances précises de l'accident ne sont pas encore connues, mais selon des témoignages, les appareils se seraient accrochés en vol. On croyait que c'était l'orage. On a dit c'est un coup d'orage, c'est un coup de tonnerre. Et puis après on a vu les avions qui ont brûlé. Il y en a un qui est parti sur la gauche, l'autre qui est en face. Ils sont tombés tous les deux. Il y avait un morceau en dessous, il y avait l'avion en vrille avec la turbine, je ne sais pas quoi, qui cramait. On a vu un morceau en dessous, je suppose que c'était un gars qui s'était éjecté, j'en sais rien. Et puis c'est tombé. Hein. Okay. Yves Duval, l'un des deux pilotes qui ont trouvé la mort, était le fondateur de la patrouille Yankee Delta. Unique au monde, elle proposait pour 5000 francs des baptêmes de l'air dans ses avions à réaction qui ont équipé la patrouille de France. Ce n'était pas un vol d'entraînement à la voltige. Alors il y a sans doute eu des figures de fait, ce sont des pilotes qui sont chevronnés
dans cet art difficile, mais il ne s'agissait pas d'une épreuve d'entraînement. Ce sont des avions d'école, donc on ne met pas des avions difficilement pilotables entre les mains de néophytes. Ce sont des avions très très sûrs. Alors aujourd'hui, les pilotes en ont-ils trop fait? Car au cours du baptême de l'air, des figures étaient réalisées, un moment délicat pendant lequel les avions ont pu s'accrocher. Et puis on a appris aujourd'hui le décès du champion de France de deltaplane qui s'est tué hier à l'entraînement alors qu'il s'exerçait avec l'équipe de France. Éric Poulet avait 32 ans. Les nouveaux tarifs de la SNCF pour attirer ou satisfaire une plus large clientèle. Un dispositif qui s'inscrit dans une campagne de reconquête des voyageurs. D'ores et déjà une embellie pour cette guerre du rail. Pour le premier jour de la mise en place de ces réductions, Vincent Nguyen et Myriam Metaoui ont pris le train. Aujourd'hui 3 personnes, donc avec 25%, tarif découverte, voyage à 3. Ça c'est nouveau. C'est les nouveaux tarifs qui... Même notre équipe y a eu droit. Des prix réduits, il y en a maintenant pour tous. C'est ce que fait savoir la SNCF, toujours en quête de nouveaux voyageurs. Cette politique avait déjà attiré 12% de jeunes en plus. Alors aujourd'hui, la nouvelle cible, ce sont les familles et les personnes âgées. Ouais. Et si vous achetez une carte, on vous fait 50%. Oui, donc c'est pareil que la carte vermeille. La SNCF, c'était un peu le maquis tarifaire. Et aujourd'hui, on a envie de passer plutôt à un jardin à la française, c'est-à-dire à un système de tarifs très simple et très clair. Une carte, 50% de réduction. Un billet découverte, 25% de réduction. Mais Gare de Lyon, ce matin, il y avait aussi réduction du nombre de trains. Dans l'annonce en fanfare des baisses de tarifs, une grève des conducteurs est venue faire fausse note. Compte tenu de la grève, donc on nous a conseillé de prendre celui de 10h54 en payant un supplément sur le tarif dont nous avions bénéficié. La réduction est annulée alors? Peu importe qu'elle est annulée, l'essentiel c'est qu'on arrive. Souvent agacée par les mouvements sociaux, la clientèle est pourtant de plus en plus nombreuse ces derniers temps. Et c'est sans aucun doute parce qu'aujourd'hui, 70% des places de train disponibles bénéficient de réductions. Vous allez voyager en plein tarif si vous êtes seul et si vous venez à l'improviste. Mais si vous avez le temps de préparer votre voyage, vous trouvez toujours un train qui va correspondre avec une réduction. Autre changement annoncé, la restauration. La réputation du sandwich SNCF n'était plus à faire tant elle était détestable. Sur Paris-Lyon, Wagon-Lit doit proposer dès demain des produits moins chers et de meilleure qualité. Mais rien n'est moins sûr, des employés mécontents menacent de faire grève à leur tour. Voilà qui nous amène à cette vaste simulation de secours dans un tunnel du TGV la nuit dernière. Pendant près de 4 heures et suivant un scénario catastrophe, sapeurs-pompiers et médecins sur le pied de guerre au chevet de supposées victimes sur une rame du TGV Atlantique stoppée en plein milieu d'un tunnel. Patrice Pellet. Le scénario catastrophe s'est déroulé dans ce tunnel de 5 km de long près de la gare de Massy. But de l'exercice, vérifier l'efficacité des secours pour la désincarcération des victimes et leur évacuation. Une simulation qui a mobilisé 250 sapeurs-pompiers et plus de 100 partenaires de la sécurité civile. Les secours médicaux d'urgence ont traité les victimes au cas par cas, comme dans une configuration réelle. C'est-à-dire qu'on classe les blessés de façon très, très simple. Ceux qui effectivement présentent des problèmes de conscience, des problèmes de respiration, des problèmes d'hémorragie, sont pris en charge directement par des équipes qui sont actuellement sur le terrain, dans le tunnel. En 4 heures, 70 blessés ont été arrachés à ce piège. Un tunnel, c'est toujours des accès un petit peu particuliers pour apporter des moyens souvent lourds et difficiles à manipuler. Nous avons voulu prendre la situation la plus difficile, de façon à voir les difficultés que l'on pouvait rencontrer. 35 observateurs extérieurs ont assisté aux différentes phases de l'exercice. Leurs remarques seront analysées afin de perfectionner le dispositif. Les employés de la SNCF dans la région de Marseille ont constaté la disparition de 300 détonateurs généralement installés sur les voies ferrées pour signaler aux conducteurs de possibles anomalies. Une enquête est ouverte. En Polynésie, les îles sous le vent touchées par des pluies diluviennes entraînant glissement de terrain et coulées de boue. La dépression Alan aurait fait au moins 8 victimes. Ces précipitations ont atteint Tahiti et Moréa sans causer pour l'instant de dégâts importants. Daniel Wolfram. Cette femme, au chapeau de paille, a tout perdu. Ses deux enfants, son mari, sa maison, emportés hier dans le torrent de boue qui dévalait de la montagne. La dépression tropicale Alan et ses pluies diluviennes passaient alors au-dessus des îles sous le vent. À Raiatea, chef-lieu de l'archipel, 3 corps retirés d'un lotissement et un bébé porté disparu. Dans le même lagon, à 20 minutes de mer, l'île de Taha,
Là, le bilan provisoire fait état de 5 morts. Aujourd'hui, ces pluies torrentielles accompagnées d'une forte houle atteignent l'archipel de Tahiti où l'état d'alerte a été déclenché. C'est la deuxième fois cette année que la Polynésie française est frappée par de telles intempéries. Le 17 février dernier, une tempête tropicale du même type avait tué 8 personnes, également ensevelies chez elles par des coulées de boue. Politique, avec à Toulon aujourd'hui le premier tour des législatives partielles après l'invalidation de Jean-Marie Le Chevalier. En lice, 10 candidats, dont l'épouse du maire Sandrine Le Chevalier. Nous rejoignons en direct Michael Darmon. Bonsoir. Apparemment, bonsoir. Une élection qui n'a pas mobilisé les électeurs. Quelles sont les premières tendances ? Tout à fait, Béatrice. Les bureaux de vote ici à Toulon ont fermé à 19h et le dépouillement est déjà entamé donc, dans les différents bureaux de vote. Vous allez voir sur ces images, dans différents ici bureaux de vote, comme celui qui est juste à côté de nous, on compte parfois dans une certaine tension, en tout cas toujours très entouré, parce que cette élection, évidemment, est considérée donc, comme un enjeu important pour cette première circonscription de Toulon. En termes de participation, les données de la préfecture transmettent une estimation autour de 45%. C'est-à-dire une participation assez faible. La campagne n'a pas vraiment beaucoup intéressé ici donc, les électeurs, malgré la mobilisation donc, des leaders nationaux ces 3 derniers jours. Sur les résultats qui nous parviennent partiellement, il y a une fourchette sur 3300 bulletins dépouillés. Sandrine Le Chevalier obtient 36,26%. Daniel Casanova, la candidate socialiste, 34,65%. Et Daniel Collin, le candidat RPR-UDF, 21,71%. Voilà, c'est pour l'instant donc, la tendance qui se dégage. Je pense que ces résultats demanderont donc à être confirmés au cours de la soirée. C'est tout ce qu'on peut dire ce soir à Toulon. Merci Michael Darmon. En début de soirée, les enseignants de Seine-Saint-Denis ont envahi le studio de RTL qui avait invité Claude Aylègre à l'émission RTL Le Monde. Les manifestants ont pris place dans le studio, l'émission devait se dérouler. La police n'a pas été sollicitée, l'émission a commencé avec du retard. Menace d'un nouveau conflit des routiers. D'après Roger Poletti de Force Ouvrière, les chauffeurs sont prêts à perturber la Coupe du Monde de football, considérant que les accords de l'année dernière n'ont pas répondu à leurs revendications. En Nouvelle-Calédonie se tenait hier le congrès extraordinaire du FLNKS qui a ratifié les accords de Nouméa, accords, vous le savez, qui doivent conduire à l'indépendance d'ici 15 à 20 ans. Aujourd'hui, coup d'envoi d'une campagne d'explication avant l'arrivée sur place dans une semaine de Lionel Jospin qui doit inaugurer le centre culturel de Djibaou à Nouméa. Envoyé spéciaux Benoît Duquesne, Dominique Merlin. Nous sommes dans la tribu de Thiers, sur la côte Est, pour ce congrès extraordinaire du FLNKS. C'est le moment de la coutume, la présentation solennelle devant les chefs et les anciens de quelques présents symboliques. Un passage obligé avant toute discussion politique. Vous êtes venus pour prendre connaissance, pour poser des questions, pour comprendre, et puis pour dire ce que l'on va faire. Et d'abord, ce que l'on va faire de ces accords de Nouméa. Les négociateurs sont là, ceux qui ont signé, mais c'est au Congrès maintenant, dans son ensemble, de ratifier le texte. Personne ici n'a oublié les difficultés de Jean-Marie Tjibaou à son retour de Matignon pour imposer un accord qu'il avait été trop seul à négocier. Certains savent qu'il en est mort, alors aujourd'hui, on va parler, rendre compte et expliquer pendant des heures qu'il s'agit bien, cette fois, d'une marche vers l'indépendance. Le pari de l'intelligence, c'est celui-là, c'est de former, enfin, un peuple calédonien demain. Il s'appellera calédonien ou canard, ou je ne sais pas, mais bon, c'est de faire émerger cette conscience de peuple. Tien Danit, la tribu de Jean-Marie Tjibaou. Sitôt le congrès terminé, sitôt les accords ratifiés, c'est ici qu'a lieu la première réunion d'explication. Car les accords pour prendre corps doivent arriver ainsi dans chaque tribu. Et parce qu'il faut aussi dissiper certaines rancunes, évacuer les déceptions de ceux qui voulaient l'indépendance bien avant. Vous espérez que la Calédonie sera indépendante dans 15 ou 20 ans ? Je l'espère, j'aurais voulu que ça soit immédiat. Ah, vous trouvez que ça va pas assez vite ? Non, moi je crois que c'est mieux comme ça. Enfin, c'est mieux comme ça, 15 ans, 20 ans, c'est mieux encore. Parce qu'on n'est pas prêt encore. Se préparer à l'échéance, former les cadres de demain, c'est l'autre résolution de ce congrès quand on sait que les 10 ans passés n'y ont pas suffi. J'en viens maintenant à la Belgique. Après l'évasion manquée de Marc Dutroux, un parti de la coalition au pouvoir, le Parti socialiste wallon, demande à son tour la démission du patron de la gendarmerie.
Dans deux petites communes de la banlieue de Genève, des affiches placardées dans le centre mettent en garde la population contre la présence d'un pédophile condamné à 18 mois de prison avec sursis. Ce procédé, déjà utilisé dans quelques États américains et en Grande-Bretagne, suscite sur place émotion et polémique. Virginie Fichet, Philippe Fivet. Entre les publications de mariage et les dernières actualités culturelles, le placard judiciaire passerait presque inaperçu. La petite affiche proclame le nom d'un homme de 70 ans, condamné à 18 mois de prison avec sursis pour acte de pédophilie. Première juridique dans le canton de Genève, cet affichage a semé le trouble dans la population. Je pense que c'est un peu un retour en arrière en justice, c'est un peu le placardage au Moyen-Âge et franchement c'est pas bien. Si à la limite ça peut les freiner, pourquoi pas? Vu qu'ils respectent pas la vie des enfants, il faut bien faire quelque chose. Alors on va soupçonner toutes les personnes d'un certain âge qui vont aller se promener dans la rue près des écoles. Donc il y a une suspicion qui va se faire et c'est très mal. La suspicion, car après tout, un nom ne suffit pas forcément à avertir, c'est du moins l'avis des principaux intéressés. La photo, ça aurait été mieux. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on peut savoir qui c'est. Là, le nom, ça sert à rien? Non, parce qu'on peut pas demander au poste comment tu l'appelles. Condamné à de la prison ferme en 1974 pour des faits similaires, l'homme était un récidiviste. Cette fois, sa condamnation avec sursis est assortie de 5 ans de mise à l'épreuve, durant lesquels il devra se soumettre à un traitement thérapeutique. Pour la Tribune de Genève, qui a révélé l'affaire, cette polémique éclabousse tout le système judiciaire suisse. Il y a deux choses l'une, soit le pédophile est dangereux et puis on le met en prison, soit il n'est pas dangereux, on le laisse en liberté. Dès l'instant où on le laisse en liberté sous la surveillance de la population, c'est qu'il y a une faillite de la mission de la justice. Dans les deux communes concernées, la démarche a d'abord choqué les élus, mais ils se réfugient aujourd'hui derrière l'obligation d'affichage officiel. Pendant 3 mois, le nom du pédophile restera donc exposé en place publique. Aux États-Unis, dîner annuel de la presse à la Maison-Blanche. Parmi les invités, Paula Jones, superbement ignorée par le président. Dans la même journée, Hillary Clinton était interrogée sur l'affaire Whitewater par le procureur Kenneth Starr. Philippe Gasso. Pour le dîner de gala des correspondants accrédités à la Maison-Blanche, Hillary Clinton avait sorti ses paillettes et aussi son sourire carnassier des soirs de catch médiatique. Il faut dire que l'annonce de l'arrivée de Paula Jones, invitée par un magazine conservateur, sans doute destiné à mettre les Clinton à l'aise, avait mis les locataires de la Maison-Blanche sur leur garde. Les huées accueillant celles qui avaient tenté de déclencher la lalie contre Bill Clinton permettaient au président un numéro d'humour et de demi-teinte digne d'un virtuose. Les journalistes ne l'ont pas épargné, il ne va pas se gêner. C'est fait avec le sourire, mais c'est fait quand même. Tout d'abord, le président veut s'excuser, pas du tout pour ce que l'on croit. Il s'excuse pour la qualité des repas gratuitement distribués à longueur d'année aux correspondants de la Maison-Blanche. Et pour le prix qu'il paye, il mérite certainement mieux, il a eu tort. Pas un mot sur les affaires, mais ô combien d'allusions. Il prétend être désavantagé cette année, il a été très occupé, il n'a pas eu le temps de lire les journaux, de lire les magazines, de regarder la télé depuis l'arrivée du pape à Cuba, c'est-à-dire exactement au moment où a démarré l'affaire Lewinsky. Le président prétend même qu'il n'écoute plus le porte-parole de la Maison-Blanche qui ne répond jamais aux questions. Michael McCurry passe alors sous la table. Bill Clinton a mis les rieurs de son côté et aux États-Unis, c'est un bon point. En Sibérie, une mobilisation importante pour l'élection du nouveau gouverneur de la province de Krasnoïarsk, un scrutin qui devrait décider de l'avenir du général Alexandre Liebed. En effet, s'il n'est pas élu au poste de gouverneur, il renoncera à la vie politique et donc à la prochaine présidentielle. D'après les premiers résultats, le général Liebed arriverait en deuxième position. Il sera donc présent au deuxième tour. Au Japon, la statue de la liberté surplombe la baie de Tokyo, un symbole fort pour le coup d'envoi de l'année de la France au Japon. Jacques Chirac, arrivé depuis samedi à Tokyo, débutera demain sa visite officielle. Isabelle Béchler et Tristan Lebras ont assisté à l'installation très méticuleuse de la statue de Bartholdi. Elle est en bronze comme sa grande sœur de la baie de New York et elle a bien plus d'un siècle. La France a prêté au Japon pour une année la petite liberté éclairant le monde du sculpteur alsacien Bartholdi. Un mois sur les flots pour rejoindre la baie de Tokyo en tronçon de 3 tonnes environ. C'est la première fois qu'elle voyageait si loin. Jusque-là, elle n'avait eu le droit que de traverser Paris à son installation au pont de Grenelle en 1889.
comme toutes les vieilles dames, effectivement, il faut prendre certaines précautions. Alors vous avez dans un premier temps ces renforts métalliques qui forment une croix qui sont au-dessus, qui sont assez rigides pour maintenir la pièce évitant toute déformation. Et puis ces renforts ont été mis un peu partout de façon à pouvoir remonter la pièce, car il faut absolument que ça soit précis au millimètre. Les Japonais ont pris en charge le transport extrêmement méticuleux et de même ils reconvoieront la statue jusqu'à l'île aux Cygnes en janvier prochain. Tout cela pour quelques millions de francs. Pas question qu'il lui arrive malheur. Ils ont même pensé au pire. Grâce à ce nouveau système, en cas de tremblement de terre, les petites billes se mettent à bouger. Comme ça, on évite que le mouvement ne se propage vers le haut et en plus, des vérins à huile évacuent les vibrations. Le sculpteur avait réalisé une symbiose magistrale entre le visage grave de sa mère et le corps drapé de son épouse pour figurer le message de liberté de l'indépendance des États-Unis. Paris réédite pour cette année de la France au Japon, mais le message a-t-il autant de force un siècle plus tard? C'est la statue de la liberté, c'est très très symbolique, tout avec année de la France au Japon. Et puis ici, c'est le nouvel quartier, c'est très à la mode aujourd'hui. Donc avec la statue de la liberté, c'est fantastique. Hein. La statue accueille désormais les navires en baie de Tokyo avec ce message de liberté au monde que la France aime tant à populariser. 12 ans après le devoir de mémoire aux victimes de Tchernobyl, plusieurs cérémonies à travers le pays. La plus officielle s'est déroulée près de Kiev. Une chapelle a été construite en hommage aux ouvriers qui ont travaillé tout de suite après la catastrophe sur le site. Cérémonie du souvenir à Moscou devant un monument dédié aux 28 pompiers qui furent les premiers à éteindre le feu dans la centrale. Au sud du Soudan, la famine touche plus de 350 000 personnes, un désastre qui pourrait être d'une ampleur comparable au drame éthiopien si rien n'est fait dans les mois qui viennent. Dorothée Liéric. Beaucoup ne survivront sans doute pas jusqu'à la prochaine récolte, mais tous ont marché 4 jours pour arriver ici. Ils attendaient un salut venu du ciel, des sacs de riz ou de maïs. Ils n'ont pratiquement rien à manger depuis des semaines. Des sacs éventrés, les enfants récupèrent les miettes, quelques grains, un trésor pour eux. 350 000 personnes sont touchées par la famine, le sud du Soudan se meurt. Nous essayons de distribuer cette aide aux femmes parce qu'on est sûr qu'elles donneront la nourriture à leurs enfants, leurs maris et aux personnes âgées et ensuite elles penseront à elles. Mais si vous donnez ces sacs aux hommes, ils ne seront pas toujours distribués mais plus souvent revendus ou troqués. La famine, c'est la faute de la sécheresse, de la guerre civile aussi. Les autorités soudanaises freinent l'acheminement de cette aide alimentaire pour faire pression sur les rebelles. Et comme toujours, ce sont les enfants qui payent pour la folie des adultes. Nous vous en parlions en début de journal. La France commémore ces jours-ci le 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. La traite négrière touchait avant 1848 les Antilles. Alors comment vivent aujourd'hui les descendants de ces esclaves? Portrait Éric Lemasson, Philippe Jasselin. Au bout du chemin, c'est un trou de verdure que cet homme qui se dit poète tient absolument à faire découvrir. Cette clairière étrange est un ancien cimetière. Un cimetière d'esclaves, sorti de l'oubli où il était depuis plus d'un siècle. On ne peut pas oublier ses racines. Un homme qui n'a pas d'histoire, comme un arbre, sans racines par conséquent. Il faut savoir qui on a été pour mieux s'assumer. Mais sans haine, sans les vengeances, les revanches. Juste savoir qui on a été. Les ancêtres de Mano sont venus d'Afrique, ils refusent de l'oublier. Descendant d'esclaves, rappelle-t-il à chaque détour de phrase. Mano est en fait un drôle de personnage, un peu rasta, un peu poète. Il vit de l'air du temps et refuse le modèle occidental. C'est cela, dit-il, d'être un vrai créole. Il faut cultiver sa négritude. Il suffit de regarder la démarche d'une négresse. Tu vois le balancement de la vie. Donc dans la poésie guadeloupéenne, tu retrouves ce souffle de vie. Car l'Afrique en quoi nous sommes, on aime la vie.
Mais que reste-t-il vraiment de l'apport africain aux Antilles ? Ce que l'on constate dans les sociétés créoles contemporaines, c'est que cette richesse de base fait place à... Plus on va vers une espèce d'entonnoir, finalement. Il n'y a qu'un seul de ces apports qui y est reproduit convenablement, c'est l'apport occidental, l'apport européen. Car le modèle depuis toujours vient de métropole, il a pour nom départementalisation. Pour transformer d'anciennes colonies en département d'outre-mer, un voile fut jeté pendant 150 ans sur le passé douloureux. Des générations entières ont dû oublier leurs racines. Ce vieux monsieur de 82 ans, contrairement à Mano, n'a jamais aimé parler ni d'Afrique, ni d'esclavage. L'esclavage, toutes ces choses. Les boulets, traîner les boulets dans les pieds, tout ça. Faut des coups de carte, des fouettes au cul. Les gens comme Jésus-Christ. La misère, j'aime pas parler de la misère. J'ai l'impression que c'est pas doux, c'est pas gentil, c'est pas intéressant. Tourner la page de cette blessure mal refermée n'est pourtant pas si simple. Toutes les contradictions de la société antillaise s'expriment dans cette commémoration de l'abolition de l'esclavage. Faut-il en parler? Faut-il l'oublier? Mano, lui, refuse de fêter l'abolition octroyée par les Blancs en 1848. Il préfère célébrer la révolte des siens. Ici, 300 esclaves en fuite avaient préféré se donner la mort plutôt que de renoncer à leur liberté. Pour défendre leur patrimoine, des habitants du Périgord ont investi le château de Bridoire, une propriété privée laissée à l'abandon depuis plus de 15 ans et dont le gérant est l'ancien ambassadeur du Sénégal en France, David Bazier et Philippe Dumay. Monsieur l'ambassadeur, je constate qu'il n'y a pas de réponse. Nous rentrons. Cette visite au château de Bridoire est une violation de propriété privée. Tous habitent les alentours. Élus en tête, ils signent leur entrée sous le regard des gendarmes. Si la population est venue, c'est pour constater les dégâts. Jacqueline était la femme de chambre de cette demeure avant qu'elle ne soit abandonnée. Dans ce coin-là, il y avait un vaisselier qui maintenant, bien sûr, est parti. Avec toute la vaisselle, le linge de maison et autres. Et notre beau plancher, que j'ai pris tant de peine à cirer. L'histoire de cette déchéance commence en 78. Le château est racheté 700 000 francs par une société sénégalaise. Depuis, personne ne l'a habité. Au fil des ans, le mobilier a été pillé et l'intérieur dévasté. En 89, une association de riverains se crée pour défendre ce patrimoine, mais elle n'a jamais pu rencontrer le propriétaire. Le gérant de la société sénégalaise, c'est un ambassadeur, consultant à l'UNESCO. On ne comprend pas très bien, il a tout laissé à l'abandon. Pourtant, vous avez fait des démarches, notamment au sommet de l'État. On a fait des démarches les plus locales jusqu'au président de la République. On a même été reçu à Matignon, mais il y a un blocage énorme. Il y a certainement un gros problème politique, c'est manifestement une affaire d'État. 800 personnes ont défilé pour rencontrer M. Boissier-Palin, ancien ambassadeur du Sénégal en France, un homme silencieux sur ce château, décidément bien mystérieux. À 45 jours de la Coupe du Monde de football, les professionnels de l'hôtellerie ne sont pas tous logés à la même enseigne. À Montpellier, par exemple, on est loin de faire le plein. Seul un tiers des réservations sont confirmées par le biais de la centrale officielle Mondiresa, au point que certains envisagent de faire cavalier seul. Karine Comasi, Pascal Ponce. Voilà, c'est une chambre comme celle-ci que des Théo norvégiens nous ont demandé pour la période de la Coupe du Monde. Ils voulaient tout l'hôtel. Et nous avons été obligés de dire non à cause d'un contrat signé avec Mondiresa. Les tours opérateurs, les cartes de supporters et les délégations étrangères, ce couple d'hôteliers en avait rêvé. En passant un contrat avec Mondiresa, la centrale de réservation officielle, le couple s'engageait à bloquer la moitié de ses chambres. Avec une date butoir fixée, début février. Surprise, une fois la date arrivée, aucune réservation enregistrée. Un groupe comme Mondiresa, un groupe Accor, on pensait que vraiment... au moins sur 50% de réservation, qui est au moins 20 ou 30%. Qu'est-ce qu'ils vous ont proposé alors ? Ils nous ont proposé de prolonger la date butoir jusqu'à début avril. Et bien sûr que notre réponse a été négative.
Maintenant, on a eu le bec dans l'eau pendant 8 mois. Maintenant, on se débrouille tout seul pour essayer de pouvoir remplir notre hôtel. Sur les 38 hôteliers associés à Mondi Reza, 19 d'entre eux ont choisi aujourd'hui de quitter la structure et dénoncent la surestimation faite par la centrale. On ne crée pas l'activité, si vous voulez. On est plutôt un gestionnaire donc des demandes qui nous sont faites par les clients. Donc si l'hôtel n'a pas été choisi par les clients, c'est l'offre et la demande. Hein. Je pense qu'on s'est totalement reposé sur eux. Et de notre côté, c'est une négligence de notre part. On a peut-être eu tort. Aujourd'hui, les hôteliers se prennent en main. La fédération a mis en place un numéro vert pour assurer les réservations. À 46 jours du premier coup de sifflet, on est encore bien loin du but. Une médaille d'or au championnat d'Europe à Saint-Pétersbourg. Éric Poujade a remporté la finale au cheval d'Arçan. Le Français s'est imposé au plus haut niveau devant deux Russes. Un style élégant et parfaitement maîtrisé. Le suspense continue dans le championnat de France de football entre les clubs de Lens et Metz. Victorieux à domicile 5-1 contre Bastia, les Lensois ne seront qu'à l'issue de la dernière journée, le 9 mai prochain, s'ils décrochent le titre. Metz, deuxième au classement, l'ayant emporté hier soir 1-0 contre Toulouse. Formule 1 avec la victoire de l'Écossais David Coulthard au Grand Prix de Saint-Marin devant Schumacher. Compte rendu de la course, Laurent-Frédéric Bollet. Imola et sa colline dite de la passion automobile, la passion Ferrari, 50 000 spectateurs s'y agglutinent et espèrent voir, c'est normal, une course passionnante. Ce ne sera pas le cas. Au départ, avec Jacques Villeneuve, comme si vous y étiez, le Canadien se faufile et gagne 2 places, mais devant, pas de souci pour les McLaren qui virent en tête, Coulthard devant Hakkinen. On se dit que c'est alors reparti pour une domination des flèches d'argent sans partage, mais pas complètement cette fois-ci. Coup de théâtre au 17e tour, Mika Hakkinen est au ralenti. Problème de boîte de vitesse pour le Finlandais qui abandonne aussitôt. Du coup, la voie est dégagée pour David Coulthard qui n'en demandait sans doute pas tant. Mika Hakkinen ne peut que constater que son nouveau grand rival s'envole vers la victoire. Retour en piste sur ce circuit d'Imola de sinistre mémoire. Un circuit modifié depuis 3 ans, depuis qu'ici exactement s'est tué Ayrton Senna. C'était le 1er mai 1994. Pour cette édition en tout cas, le plus beau dépassement est à mettre au crédit d'Olivier Panis qui l'effectue sur Ralf Schumacher. Dommage pour le Français qui abandonnera à 6 tours de la fin sur problème moteur. En fin de course, un semblant de suspense. Michael Schumacher revient sur David Coulthard. Du côté des directeurs, on retient son souffle et puis finalement pas de surprise, Coulthard empoche bien la 4e victoire de sa carrière. Schumacher est 2e, Villeneuve 4e, Alesi 6e. Du coup c'est un resserrement en tête du championnat, Hakkinen 26 points, Coulthard 23, Schumacher 20, 3 pilotes se tiennent en 6 points. Grosse déception pour Cédric Pioline qui a perdu la finale du tournoi de tennis de Monte-Carlo. Victoire expéditive de l'Espagnol Carlos Moya, 6-3, 6-0, 7-5, moins de 2 heures de match. C'est la première victoire de Moya, 21 ans, dans un tournoi important. La fête du printemps dans le parc du château de Beauregard, 13e édition de ce rendez-vous des pépiniéristes en plein air. Le temps maussade n'avait pas découragé les amateurs. Benoît Mousset, Patrick Voix. Ne vous fiez pas à ce cadre champêtre et bucolique. Quand les citadins débarquent à la campagne le temps d'un week-end, leur présence ne passe pas inaperçue. Le réveil de la nature déclenche chez eux une véritable frénésie jardinière, mais il en faut peu pour faire leur bonheur. Des plantes qui ne demandent aucun soin, qui poussent toutes seules et qui soient très vivaces. Une plante qui va au soleil, qui est grande, mais le nom, je dois vous dire qu'il est... Roto, je ne sais pas lui, on ne sait plus, mais elle nous a plu. Et cette année, pour se mettre au niveau de ces urbains ignares, au balcon ou à la terrasse mal ensoleillée, la recette c'est la plante vivace, au nom imprononçable mais facile à planter. Mais en fait, les plantes vivaces se distinguent des autres parce qu'elles ne forment pas de bois, ce ne sont pas des arbres, ce ne sont pas des arbustes. Elles repoussent d'une année sur l'autre, vous les plantez donc une seule fois. Et après, elles grossissent. Avec le printemps, tout le monde se sent un petit peu jardinier dans l'âme. Alors plantez vite et utile, ça vous fera du bien.
La meilleure façon de se ressourcer, c'est de se retrouver dans son jardin, sur son balcon, sur sa terrasse. De planter ses petites plantes dans son pot, de faire ses plantes condimentaires, de planter ses plantes annuelles. Enfin, pour tous les maladroits, initiez-vous au manuel du petit jardinage. Les gestes incontournables n'auront alors plus aucun secret pour vous. Cinéma avec sur les écrans mercredi prochain, Paparazzi, une comédie qui, loin des clichés ou de l'esprit de revanche, s'intéresse à ces photographes qui traquent les personnalités. Johnny Hallyday et Isabelle Adjani ont participé à ce film dans leur propre rôle. La presse à scandale, ses coulisses, avec Vincent Lindon et Patrick Timsit dans les rôles principaux. Aubry Adler, Patrick Voix. On parle souvent d'eux, mais on les voit rarement. Cette fois, ce sont les Paparazzi qui font la une au cinéma. Lui, dans son genre, est un as, l'un de ces paparazzi qui fait, à coups de clichés volés, sa fortune et celle de la presse à scandale. L'autre, c'est un type ordinaire. Veilleur de nuit, il a le tort de sécher son boulot pour assister à un match de foot. Pas de chance, des vedettes en virée amoureuse sont assises derrière lui. Il se retrouve piégé avec elles, en couverture de magazine. Qu'est-ce que c'est que ce jour-là? Il s'acharne sur des gens qui ne sont même pas des vedettes. Vous avez vu? Ah, c'est toujours comme ça le mardi. Lundi j'appelle, mardi je pointe. L'autre jour on était en promo dans les villes de France et dans une ville on faisait une émission de télévision. Tout d'un coup on s'est regardé, il y avait un micro-trottoir, on s'est regardé, on a fait oh chouette. Il y a un môme qui arrive qui fait moi je le connais pas, parce que truc, il y a une dame qui fait oh moi je trouve vraiment embêtant, vraiment ils exagèrent, ils embêtent toujours les vedettes, vraiment il y en a marre. Et puis il y en a un qui arrive. 45 ans, bien en forme et qui fait « Moi, les paparazzi, rien à foutre. » Mais attention, hein, faut pas qu'il vienne me faire chier non plus. Hein. Action ! Le chasseur et sa proie malchanceuse finissent par faire équipe. Le paparazzi, qui dans son genre se laisse parfois aller à un peu d'humanité, a besoin d'un assistant. Le chômeur se laisse tenter par ce monde empli d'argent, de poursuites et de stars. Oui, 20 boules, 200 000. Là, on commence à faire du bénéfice. Il y a de l'aventure ? Parce que dès qu'on traque quelqu'un, la personne qui est traquée, elle sait où elle va. Elle a fait sa valise et tout, elle a son billet. Celui qui est en bas et qui attend à la porte cochée, il ne sait pas s'il va à Montfort-l'Amaury ou s'il part pour Honolulu. On va rester planqué comme ça des années. Bon, tu peux pas la fermer deux secondes. Ça paraît encore plus long quand tu parles. L'année dernière, une de nos équipes qui était à Venise a eu par hasard une image de vous. Vous vouliez aller vous promener sur la plage et puis il y a un paparazzi qui vous suivait. J'ai été le voir et je lui ai dit, il faut choisir mon pote. Moi, ce que je veux, c'est pas te voir. Fais ton travail bien. Mais je peux pas avoir deux emmerdements à la suite. Et te voir faire la photo, et la voir dans le journal. C'est trop de souffrance. C'est ou l'un ou l'autre. Avec ce film, on s'amuse à passer de l'autre côté de l'objectif. En découvrant que le monde des paparazzi est moins manichéen qu'on ne croyait, on se promet tout de même que la prochaine fois, chez le coiffeur, on boudera les magazines offerts pour tuer le temps. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle le principal titre. Lionel Jospin appelle à construire une société fondée sur le respect et la tolérance. À l'occasion de la célébration du 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, le Premier ministre rendait hommage à la petite ville de Champagné. Dans un instant, la météo de Nathalie Rioué. À 20h50, un excellent film, La couleur pourpre, suivi du concert donné aujourd'hui à Champagné pour les 150 ans de l'abolition de l'esclavage. Demain, à 7h50, dans Les Quatre Vérités, Françoise Laborde recevra Jocelyne Berroir du groupe Casave. Demain soir, à 20h, vous retrouverez Daniel Bilalian. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.